Bonjour, je suis Colina Limas, partenaire de Solar Group, j'ai le statut d'expert. Et maintenant, nous sommes à l'hôtel Marriott pour une conférence avec des représentants de la société Solar Group de Russie. Il y a beaucoup d'invités. De nombreuses questions ont été posées et ils ont toutes reçu de réponses. La conférence s'est bien déroulée. On voit que les gens sont très intéressés. Ils sont intéressés d'une part à avoir cette technologie dans leur pays, d'autre part, ils veulent investir dans une entreprise progressiste et en tirer profit. C'est plus qu'un projet. Maintenant, c'est une société. C'est une véritable construction d'une entreprise. C'est un chantier. Et à l'avenir, il y aura des moteurs conçus et fabriqués. Au niveau national et mondial, je voudrais que tout le monde puisse en apprendre davantage sur Solar Group. La conférence s'est bien déroulée. Il y avait 115 places dans la salle et la salle était remplie. Il y avait beaucoup plus de personnes que de sièges dans la salle. Je souhaite que ces conférences se poursuivent, disons qu'elles aient lieu chaque année, pour que nous voyions l'évolution. Et recevions ainsi la confirmation que c'est une entreprise sérieuse et efficace. Aujourd'hui, le véhicule électrique se développe très activement dans le monde entier. Au Pérou en particulier, le thème du bateau est très pertinent. Je vois que le moteur pour des bateaux a suscité un intérêt particulier et je pense que c'est dans cette direction que nous allons maintenant nous déplacer. Les gens se sont intéressés à la technologie parce qu'elle est applicable dans cette région ainsi que dans les régions voisines parce qu'il y avait des invités de l'Équateur à la conférence. Ce sont des représentants d'entreprises et ils s'intéressent au potentiel de l'introduction de ces technologies. J'aimerais que notre pays, le Pérou, notre président participe à ce projet. Pour remplir notre pays avec cette technologie. À quoi bon? Pour nous aider à prendre soin de l'environnement. C'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Et j'aimerais que notre président prenne l'initiative de donner un élan au développement de ce projet. Nous aurions sérieusement progressé en tant que pays, en tant que puissance qui se soucie sérieusement de l'environnement. Les gens ont beaucoup aimé les images du chantier. Je l'ai compris parce que dès qu'on a fait marcher la vidéo, les gens ont sorti les smartphones et ont commencé à filmer et à prendre des photos. En général, on voit qu'ils veulent partager cela, donc ils sont intéressés aussi. La construction du centre a fait forte impression. Nous avons vu un bâtiment se développer sur le terrain vague. Pas à pas, les émotions sont très agréables, car nous savons que c'est nous qui assurons cette construction et que beaucoup de produits seront créés là-bas. Et nous faisons partie de l'entreprise, c'est très bien. Nous allons maintenant très activement développer davantage l'Amérique latine. Plusieurs pays seront ouverts avant la fin de l'année. Aussi, quelques pays en Europe, c'est jusqu'à la fin de 2021. Pour 2022, nous verrons, on se fixe des objectifs. Je pense que nous ouvrirons au moins 5 à 10 bureaux de représentation l'année prochaine. Je souhaite que le projet continue de progresser, pour continuer à nous donner de bonnes nouvelles, comme il l'a fait jusqu'à présent, et pour que vous puissiez créer des choses innovantes que nous pouvons appliquer à notre avantage en obtenant des bénéfices mutuels.